Show. Fluo. Bleu. Rouge. Écarlate. Les cartons du Moscato Show. Oui, alors. Ce soir, c'était chaud, Vincent. Tu es plus qu'en forme. Je pense que tu es en manque de raclette. Ouais, ouais, et que plus on se rapproche de la fin de l'émission, plus on a de mal à te tenir. Alors, Real Barça 4 fois en 3 semaines. Est-ce que c'est un festin ou une indigestion? Les experts F1, c'était Hamilton Alonso. Est-ce que ce duel est plus intéressant que le cavalier seul de Vettel pour le titre? Nous avons aussi Toulon, Toulouse, oui, au Vélodrome. Une affiche tronquée. Ça fait du tort au rugby. Et puis des pompes à vélo spéciales. Complot britannique, 9 semaines pour une fourchette à Marc Cueto, l'international anglais. Julien, bonsoir. Comment bonsoir. Il va? Comment salut, il va, Julien? Impeccable. Alors, Julien? Ah, comme il est content. Hein. moi, je suis content, ouais. Alors, Julien, non, mais le gros aussi, il est content. Tu vas lui amener dans la gueule à Eric un peu? Ah non, c'est un carton rouge pour toi, là. Oh. Mais pourquoi j'ai rien dit, quoi, tout toi. Mais t'as rien correct. Dit, t'as pas défendu le rugby, quoi. J'ai pas défendu le rugby, je fais que le défendre le rugby, de main de maladroit, de couillon de la lune, qui sont conservateurs, qui font des phases de finale. Maintenant, sur 12 mecs, 14 mecs, t'en as 9 qui sont qualifiés. C'est-à-dire que le dernier jour, on va faire des phases de finale, qui vont durer jusqu'à la saison d'après. Ça veut dire qu'on va faire des saisons en 2 saisons. Je crois que c'est pas pour ça qu'il veut te mettre le carton, allez, Julien. Voilà, vas-y, Julien. Parce que là, je suis d'accord avec toi. Mais je te mets un carton, tout simplement, parce que Toulouse, il y a 3 ou 4 saisons, allait battre le Stade français au Stade de France, avec son équipe C. Oui, mais alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ça avait fait le scandale, et tu t'en souviens pas, pour fermer le caquet à Dimeco, là, qui connaît rien. Voilà. Ça, hein, tu peux le dire, mais Toulouse... pas mettre un carton rouge à moi. Ouais, mais parce que c'est ta mémoire, et puis parce que je t'ai vu complètement à quatre pattes chez Serge Moulot il y a 3 semaines, et que sur le coup j'avais envie de mettre un rouge. Oh là 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 là, il y a des dossiers dont on connaît même pas l'existence. À quatre pattes, non mais sois clair. C'était pendant tes vacances. Si je calcule bien, il y a 3 semaines c'était tes vacances. Donc t'as dû prendre une charge terrible, et sauf que Julien il était là. Oui, non mais alors, alors j'avais peut-être picolé un petit peu, faut le dire aux auditeurs. À quatre pattes, ça veut dire picoler. Vous voyez pas d'autre allusion? Bah non. T'avais rien dit, je t'entendais. Développe, Julien, je sais pas, moi, est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière lui? Parce que quatre pattes tout seul. Stop, carton blanc, Michel Drucker. Julien, ton carton, donc, c'est parce que il n'a pas de mémoire, notre pauvre Vincent. Il avait oublié cet argument qui était du pain béni pour toi, Toulouse, qui était allé gagner avec une équipe plus que bis à Paris. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'équipe bis. Il y a 35 mecs qui jouent. Non, mais cela dit, je sais pas si c'est vraiment un argument. L'OM, ils avaient fait machu la Paris avec la CFA aussi, pas la cognier. Donc, allons-y, faisons tous, ils veulent jouer la CFA. Alors, allez. On va découvrir des jeunes. Ah oui, bien sûr. Julien et Vincent, ce qu'on veut voir dans ces matchs-là, c'est Aimance, Claire, le dar en avant, lancé comme des frelons, le dar en avant. Julien, merci pour ton carton. Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a plus le temps. Allez, bonne soirée à vous. Ah, bien sûr qu'on a le temps. Jean-Louis, deuxième.